Une petite explication qui vous dit ce qu'il faut faire. Le secteur 1 représente toute la presqu'île. Krasnamensk, ben, c'est la petite ville que vous aviez déjà traversée, il y avait du monde. Dans Krasnamensk, okay. Vous allez pouvoir arrêter les belligérants, tout ça. Si vous pouvez les arrêter, c'est bien. Vanindor, c'est une ville qui est au sud, complètement sur la côte ouest. Donc là, c'est pareil. Dans la ville, fouiller les locaux et trouver les responsables politiques. Et puis il y a les éléments du parti du Red Ska, qui est le parti local, dans le petit bled de Topolka, une station balnéaire encore plus au sud, comme ça, etc., etc. Les trois blindés au début et puis les trois Fennec après. Okay. Et Pandour qui a un rôle de commandement, c'est ça? Pandour, ouais, il est juste à gauche de la tour, c'est en A1-1. Du coup, tu fais le commandant aussi, Bud, ou... Ben, je vais pas trop vous servir de commandant, non. Débrouillez-vous. Enfin, si vous avez besoin de moi, je suis sur la radio, mais organisez-vous au niveau du combat. Non, je veux pas gérer votre stratégie de jeu. Hein. À vous de voir si vous voulez désigner un responsable global, hein, un chef de char. Moi, j'ai pris le scrap capitaine, mais si quelqu'un veut le faire. Hein. Ben voilà, Cal, c'est très bien. Merci, Cal. Donc, Cal sera le capitaine de cette soirée et guidera à la victoire. Donc, c'est un con, je suis mis en radio. Utilisez bien. On avait déjà vu le premier problème pendant les combats. Utilisez bien vos fréquences radio pour vous informer de ce que vous faites. Bonsoir, Freelancer. C'est vrai qu'avec les blindés, on n'a pas la même perception de l'environnement. Bonsoir, Romain. Donc, soyez concis, essayez de faire des belles coms pour pouvoir vous expliquer, développer votre déplacement ou dire ce qui se passe. Ça peut aller vite. Si vous êtes touché, que ça explose et qu'on voit que ça va trop vite, etc., ne vous inquiétez pas, vous allez réapparaître à côté de G en A1-1. On avisera à ce moment-là. Ok ? Bon, messieurs, c'est parti. Bonne mission. À tout. Merci, Ben. Ah. Ah, enfin. Didier, tu veux pas de tireur ? Ah, ça devient un lance pas pour rien. Tireur, quoi ? Ah ouais, là, actuellement, ouais. C'est faire tireur, y'a pas de soucis. Le principal, bah, c'est Guigui, bon. C'est que tu joues pas tout le temps à la thermique pour bien identifier les cibles. Ok ? Pardon ? Le principal... défaut, c'est d'être tout le monde sur la thermique, d'être tout le temps sur la thermique. Donc s'il te plaît, ne switch tout le temps, hein. Reste pas sur la thermique tout le temps. Oh, bah, ok, bien pris. Tu m'as entendu, Kiki? J'ai pas entendu. Donc tu me disais de pas rester tout le temps sur la thermique. Est-ce que tu es sur le canal 111? Teste pour toi. Alpha 1-1 à l'écoute sur la 50. T'as pris quelle radio? T'as 154 Je suis Alpha. Ouais. 152. Tu m'entends, Guigui, sur la 111? Attends, je paramètre parce que j'ai pas l'habitude de celle-ci. Comment on programme le canal secondaire ici? Non, mais t'as pas besoin de secondaire. Hein. C'est principal. Reste sur la principale. Ok, je reste sur la 50. Donc. Non, la 111. Ok. J'entends rien. Change de radio dans l'inventaire. Dans l'inventaire, il y a la 150. J'ai pas la bonne radio. Alors regarde l'inventaire et tu verras. Ben, j'arrive pas à trouver la 50, bordel. Bon, allez, laisse tomber la 50. Montez dedans. Allez, je bouge. Mets-toi en tireur. On se fait attaquer. Devant nous, en azimut 187, 186, deux ifrites armés. Allez, dépêche-toi. Je bouge pour lui couper la route. Bon, c'est bon, il est neutralisé, il s'est fait shooter par les. Ok, vérifie s'il n'y a pas des RPG. Alpha 1-1 a engagé ce qui est en 192. Plus haut. Appuie sur tab pour ajuster ton. Ok, infanterie qui arrive. Passe à droite à gauche et une grosse infanterie qui arrive. Ouais, passe en mitrailleur et. Non, 180.
Pas sans mitrailleur et n'oublie pas d'appuyer sur Tab pour ajuster ton zeroing constamment avant de tirer, ok? On a dit 1980, okay, Et tu vas en 180, 1880, et t'as une grosse foule qui arrive, là tu peux te faire plaisir. Tu vois ma croix, Guigui, normalement tu vois ma croix aussi. Je t'entends super mal les voix. C'est Slack. Normalement, Guigui. Ouais, je les ai mis les bouchons. T'entends pas là sur la radio? Non, on t'entend pas sur la radio. Ouais, boy, sur la 111. Attends, je vais vite préparer la. Ok, go, c'est sur la 111. Bah, au pire, mettons en passager, je vais passer tireur. Ouais, ok, ça marche. Attends. Et je passe, j'ai. Voilà. Bon, j'avance. Ouais, vas-y. Non, c'est pas une seule dernière fois. Je suis encore en arrière. Mais c'est. Vers les bâtiments, vers la droite, nickel. Mais c'est aussi c'est bon qu'il a. Guigui, j'aimerais bien t'avoir sur la 111 là en courte portée. Test 111. Ok, bien pris, on t'entend sur la 111, c'est nickel. Putain, j'ai mon truc qui marche. Putain. Allez, avance un petit peu, s'il te plaît. Hein. Tu veux quoi? Avance un tout petit peu. On se prend des tirs là en face. Si tu veux. On se prend des tirs. En face de la maison, au niveau de la maison. Un peu à gauche de la maison. Je vais pas avancer plus là, je me fais tirer dessus. Top, ouais. Ils viennent passer en dessous de la tour. Il vient de passer en dessous de la. Tu tires trop bas, ajuste avec le zeroing. Ouais, mais en fait, quand tu. J'entends rien. Ouais, avant ça me prenait les feuilles en fait, sur quoi on était. J'avais pas changé mon zeroing. Ok, bien pris. Ok, blindé derrière la maison avec mon étage rouge. Commandement à tous les groupes, pouvez-vous m'annoncer si vous êtes Alpha, Bravo ou Charlie? Ragboy, dans un Warrior avec Gomme et Guigui en Alpha 1-1. Ok, donc Ragboy, tu seras le groupe Alpha. Deuxième Warrior, vous serez le groupe Bravo, qui c'est le deuxième Warrior? De Hormaz, deuxième Warrior. Qui dans ton rôle en chef de mort? Ok, c'est tu seras Bravo et troisième Warrior, frère. Je vais dire par rapport aux azimuts à la petite boussole qu'il y a au ton écran. Ouais, mais le souci c'est que, je sais pas, la cam est bloquée en tant que chef de bord. Quand on n'a pas pris de coup, j'ai l'impression que ça attaque à droite. Là. Sur nos 260. Putain, ça vient de péter là en 288 là, regarde en 288. Azimut, bah c'est trop tard maintenant. Je vais me déplacer. Vas-y. Ok, donc c'est bien noté. Prends des tirs sur la base. Groupe Alpha, Hormaz, groupe Bravo et Arezi, groupe Charlie. Nous on sera groupe commandement. Le Alpha confirme plusieurs tirs, peut-être des mortiers sur la base. Est-ce que vous confirmez les autres groupes? De commandement affirmatif, avons reçu plusieurs tirs de mortiers. De Bravo, on a vu des forces ennemies venues un peu en du nord, faites attention. En fait, le but, c'est que normalement, le chef de bord doit regarder à l'endroit où il ne regarde pas déjà le conducteur et le tireur. C'est le meilleur moyen. La caméra est bloquée, je sais pas y accéder. Essaye de. Je vais aller en passager, essaye de le prendre. Ah ouais, on doit être touché, c'est pas possible autrement. Pourtant, on voit rien. Non, ouais, on a dû être touché. Merde, putain, ça commence bien. Alpha pour commandement. Bon, la rigueur. Ce que je peux faire, c'est. Non, t'exposes pas. Ah non, surtout pas, non. Commandement, j'écoute. Une balle perdue, enfin, tu vas prendre une balle. Commandement, on a un souci avec la caméra du commandant de notre Warrior. Elle semble être cassée. Est-ce qu'il y a moyen de réparer tout de suite avant de partir en mission?
Salut Hack. Je me renseigne, je dis ça tout de suite. Ouais, salut à tous, j'ai pas le temps de tous vous dire bonjour, mais en tout cas je lis vos commentaires. J'ai coupé la caméra, ça sert à rien. Regardez si trousse à outils dans l'inventaire, autrement faire un appel au commandement pour changer le véhicule. Merci. Ok, bien pris de Alpha 1-1, retour dans les hangars pour réparation. Ok messieurs, on rentre dans les hangars là, donc on va réparer. De commandement pour Alpha Bravo Charlie, des points cartes ont été mis pour vos placements, pour vos objectifs. De Bravo, bien fait. Vous entendez pas la longue portée? Attendez, je vais la mettre en haut-parleur. Non, on n'entend pas. Voilà, elle est mise en haut-parleur, normalement vous devriez tous l'entendre, mais pour l'instant ça parle pas. On va réparer, normalement il y a des trousses à outils dans le véhicule pour réparer. Mais il y a un slot mécano, non? J'en sais foutre rien. Je sors. Trousse médicale. Trousse à outils. Chenille de réserve. Donc un véhicule de réparation à côté de la tour. Véhicule de réparation à côté de la tour, putain la vache. Et une caisse de munitions devant le QG. D'accord, merci. C'est bon, tu arrives, Rack? Non, négatif de Rack, je ressors, il paraît qu'il y a un véhicule de réparation. Il y a du fantassin devant nous là. De base, hein. Les fantassins devant nous sont ennemis ou alliés? Allô, fantassin à 180, azimut 180. C'est pris pour 180, fantassin. Bon, je me déplace, c'est à nous ou pas? Ah, le petit groupe juste en bas de nous, ouais, c'est à nous. Ok, on prend des tirs, il y a des tirs qui sont... Ah, pas de toi, je pense. Ok, on doit prendre des tirs juste derrière le bâtiment, Rack. Bon, alors, je me déplace en attendant. C'est sur notre touche. Azimut. Non, Azimut 300. Azimut 300. 300. Comme. C'est pris pour Azimut 300, mais Azimut. T'es prêt? Ah ouais, Azimut 300, c'est. 300, ouais, je m'expose. Attention, je m'expose. Azimut 300. Avance. Bah, pourquoi tu peux pas les tuer? Trop près. Ah oui, pardon, bon bah, ok, j'écrase. Sinon, ne prends pas, n'oublie pas le zéroing. Hein. Ah ouais, y'a pas de soucis, mais trop près, je crois que ça, c'est. Ça me rappelle ma dernière partie en mode Carmageddon. Oh là, j'ai dû accrocher. Ah, viens, t'as accroché, mais c'est bon, c'est pas bien. Ok, je regarde ce que je peux faire. Ouais, parce qu'on a des collègues sur le tarmac allongé. Ok, je peux rien faire, je sors. Prêt. Gigi, t'avais toujours pas bougé la... Rackboy Azimut 170, si tu peux prendre ton arme, s'il te plaît. Négatif, je suis sorti du véhicule, j'ai plus de longue portée. Essaye de pas tirer au canon, sinon je vais crever. Attention, extinction moteur, s'il vous plaît, n'utilisez du tout la tourelle, s'il vous plaît. Extinction moteur, besoin pour réparation.
prêt. C'est pris, j'ai un peu tiré. Putain la vache, allez, bouge-toi. De toute façon, pour les boîtes, pour l'instant, les boîtes sont complètement bloquées. Ça répare, hein. 30 secondes. C'est pris. Ah, il est très bon, cette infusion est excellente. Bon bah, ça commence sur un chapeau de roue, hein, cette mission. N'était pas du tout préparé. Ragboy pour Guigui, essaye de monter en slot et tu me dire si ça fonctionne ou pas. Bien pris. Pardon, j'y suis et ça fonctionne. Ok, on est réparé. C'est pris, si tu peux dire aussi, même approche que tout à l'heure, en cas au niveau du village, nombreux packs, c'est ainsi qu'en blindé. Donne-moi un azimut là. Donne-moi un azimut. 170, 180. Bouge-la. Avance un petit peu. Non, l'autre sens, excuse. Ok, là. Ça va, Guigui? Stop. Ouais, il y a un... Stop. Il y a un zoom ou... Ouais, avec les touches poussées, moi. Alpha 1-1 pour tout le monde est réparé, prêt et opérationnel pour le départ. J'ai rien appris, Alpha. C'est bon? Ok, même à 10 minutes, c'est déjà. Pour Alpha marqué sur carte. Ok, bien pris, Alpha en mouvement. Allez, on décolle, on doit couvrir tout ce qui vient du. Attendez. Tireur, c'est pris. Du nord. Nord-ouest. Ok, si tu peux balancer s'il y a des blessés aussi. Comment ça, des blessés? Ouais, dans les autres SWAT. Attends. Alpha 1-1 contient le seul médic de la partie, donc n'hésitez pas à nous prévenir s'il y a besoin de médecin. Bravo pour le commandement. Commandement, j'écoute et c'est bien pris, Alpha. Commandement demande. On se prend des tirs là, il y a quelque chose devant nous là. Pour l'instant, restez en stand-by sur vos points Bravo. MP devant là, MP devant. Bravo, je vous rappelle. Le BMP. Elle a explosé le BMP. Ah, affirme, il est mort le BMP. Il y a encore un mec debout. Ok. Rebond, dégage. Balance les fumigènes. C'est le chef de bord qui les balance. C'est. J'ai deux fois. J'ai une position C comme tu veux. Bravo, négatif. Allez, une fois que tu vas. Ok, bien pris Charlie pour commandement. C'est ta touche des grenades normalement. Ou des contre-mesures, mais normalement c'est les grenades. Dis-moi, tu les as butés là, Guigui. Négatif, t'as trop bougé et puis j'ai plus mal. Mais ouais, la T est mort. T'as plus de balles déjà? Ouais, si tu veux. Charlie pour le commandement. Commandement pour Charlie. Elle est ultra sensible, c'est horrible. Ouais, et le mec, il se prend un 30 mm de pleine gueule, il meurt pas, quoi. T'es nickel, là, crack, t'es nickel. Ok, de Ragboy, je descends pour réarmer le canon, le fusil, le piston. Ah, le mitrailleur. Merci.
Fais gaffe aux munitions. Ouais, que dalle. Elles sont où tes munitions là? Munition pour véhicule AF ne peut être chargée. Putain. De 79 positions. Plein est de la base. Plein est de la base. Alpha 1-1 a besoin de l'intendant de la base parce que je trouve pas de munitions sur l'endroit munitions. Ok, je fais le nécessaire pour vous envoyer le magasinier. Je vais ressortir un peu. De Charlie, on a traité avec ce... Ouais, tu bouges parce que mon zeroing, il prend en compte les... Ok, de commandement pour les groupes blindés, si plus de contact ennemi, réarmez et préparez-vous au départ pour premier objectif. Derrière toi, avec la face droite. De quoi? De Bravo bien pris, sud-ouest, sud-est. Ok, c'est bien pris de commandement. Traitez la menace et tenez-nous. Je descends, je descends. Putain, mais c'était putain de grillage en fait, il bloque les balles. Y'a rien là-dedans, hein, Bud. Non, y'a que dalle là-dedans. Tu fais ouvrir, y'a rien du tout. Tu fais charger, c'est des munitions pour AAF et il veut pas les charger dans mon camion. Ok, réarmé. Le four. C'est bon, t'as été réarmé? Affirme. Bon, écoute, il a été réarmé apparemment. Ah, ça a marché? Bah apparemment, il a été réarmé. J'ai pas compris comment, mais bon, il est réarmé. Ah, contre les packs, je peux rien faire. Ça me bloque, c'est le grillage me bloque les balles. Ok, bon, on va faire une sortie. Guigui, je veux que tu ailles dans tes options. Oui. Configurer. Alors. Commande. Configurer, commande. Alors, déplacement véhicule. Déplacement véhicule. C'est pas là. Voilà, déjà. Ça serait pas dans arme. Voilà, dans arme. Alors. Contre-mesure, c'est C. Contrôle voilà. G plus C. Contre-mesure 2. Contrôle G. D'accord. Sachant que moi, ça a toujours marché avec le lancer. De lancer l'objet okay. Qui est normalement configuré en 2x G. Ouais non je l'ai contrôlé, j'ai mis en contrôle plus G. Ok, bon, prépare-toi à appuyer sur contrôle C ou alors contrôle G ou 2x G ou 2x C, on va faire une sortie. D'accord. Alpha 1-1 retourne sur son point défensif pour annihiler les dernières résistances. C'est bien pris, Alpha. Allez, on est parti. On va perdre le seul médic de la base, de la partie. On se laisse pas envahir par l'ennemi. Rassurez-moi, les deux, vous scannez l'horizon, là. Ah, fier. Fier. Ils sont derrière le grillage, en fait. Ils sont sur ta gauche, tu les vois. Y'a pas d'intérieur. Je les vois pas. Avec moi, je les vois pas. Juste derrière le blindé qui est mort. Faut que je fasse un trou dans le grillage. Où il craquait?
Azimut 030. Ouais, bah ils sont à côté. Ok, c'est bien pris, Charlie. Faites réparation. C'est bon, il y en a encore là ou pas? Attends, j'ai réussi. Ouais, affirme, j'ai shooté. Sérieux, le mec est immortel quoi. T'as vu le nombre de balles qui s'est pris, j'en ai pas raté une quoi. Ah, c'est bon, on a fait le tri. Non, on a pas fait le tri là, devant nous il y a encore des vangas. Commandement pour Alpha Bravo Charlie. Ça, c'est des belles crêpes. C'est Bravo, pardon. Toujours là. Voilà. Charlie, on a perdu. On s'est fait traiter d'un croix. C'est bien pris, Charlie. Revenez pour changer de. Les gars, il y a encore des tueurs derrière. Donc à tous, si vous ouvrez votre carte, des points vous ont été mis pour le suite de la mission. Papa 1 étant l'objectif premier, vous avez par zone à traiter. Tout est noté sur carte. Allez vas-y Guigui, tu donnes les cibles à ton tireur. N'hésite pas à donner les cibles à ton tireur. Azimut 272. Ouais. Il est caché derrière le sapin là. Tu vois ou pas? Alpha 1-1 traite les dernières cibles en les écrasant parce qu'ils sont invulnérables ou presque à nos balles. C'est bien pris, Alpha. C'est bon. Il semblerait être un véhicule lourd. Ah, j'entends une Jeep, ouais. Où ça? Derrière les arbres à Azimut 309. 309, ok, on va les contourner par la forêt. Une Jeep, hein, au pire, Rack. Bah, ça se traite au canon, ça, non? Ah. Ouais, c'est un véhicule. Ouais, c'est un Ural. Voilà. Ok, c'est nickel. Allez, on retourne là-bas. Ok, Guigui, tu vas regarder la carte et tu vas me dire, tu vas me guider par rapport à l'aéroport où est-ce que je dois me placer, s'il te plaît. Alors, Alpha, tu dois te mettre. Alpha 1 à. Ouais, mais il y a juste Alpha. Oui, oui, on est Alpha. En fait, on est Alpha. Point, ils sont plus emmerdés. Avant de partir, on va réparer et réarmer. Il y a Papa 3, Papa 4, mais... Ok, Papa mais vous... hormis le fait que tu vois où est-ce qu'il est le point, j'aurais besoin que tu me le transmettes, parce que moi, je peux pas... 067, putain, j'ai mon... Non, alors, je peux pas afficher mon GPS, et je peux pas... Et si j'affiche la carte, c'est comme si je basquais mon écran, donc il faudra me guider. En fait, si on était... Ouais. Alors Charlie, bravo Alpha. J'ai pas affiché mon GPS. Prends peut-être contact avec les autres, voir si on fait une attaque groupée pour le premier village ou non. Rackboy, comment je fiche mon GPS? Encore. Contrôle virgule. Contrôle virgule. 173, 174. Attendez, je suis rechargé. Il y a rien. Il y a rien à faire. C'est de la merde. Bon, écoute, ça marche pas. Je crois pas que t'es rechargé là. De commandement pour Alpha, bravo Charlie. Top départ pour Papa 1-1. Top départ pour Papa 1-1. On laisse les 2-3 pélos qui restent sur place. Bon, vous avez entendu ou pas? Tu prends la route sur ta gauche. D'accord, ok. Là, tu vois une route sur ta gauche. Ok, tu vois, Guigui, il faut que tu me dises que je vais m'occuper de tout le côté nord-est, ou que je dois me diriger vers le côté nord-est de la ville, parce que c'est là-bas qu'on va devoir se rendre, tu vois ce que je veux dire? Bravo, bien pris, on prend, papa. Alpha 1 en route. Bien pris, Alpha. Devant toi, Rack. Ouais, je le vois. Putain, mais c'est incroyable cette. Ah, elle est horrible, tu vois. Charlie, avez-vous accusé Radio? J'aurais préféré conduire avec le volant, je crois. À gauche. Ok, merci de me guider. Et prochaine intersection à droite. D'accord. N'hésitez pas à me dire si ça passe pas, hein, parce que moi je vous dis j'ai qu'un petit carré minuscule. Hein. Je vois que là... Ah, ça a l'air de tirer sur la droite. Contact sur la droite, ouais. Ok, je stoppe à distance.
Est-ce que vous avez entendu la radio longue portée en haut-parleur ou pas? Affirme, ouais. Ok, ça marche. Contact dans la forêt. Salut Malek, salut Louis. J'espère que vous allez bien. Balle de 762 pour les tuer. Là. Bravo en mouvement. Allez, tu peux reprendre le mouvement. Bien pris, bravo. Contactez-vous entre Alpha et Charlie pour vous coordonnées sur l'attaque de la ville pour fonctionner tous ensemble. D'accord. Ok, Alpha, bien pris. Pour l'instant, je suis bravo, j'ai l'impression qu'il ouvre la marche. C'est bien pris, Alpha. Pas tard, plus tard que le... Charlie, je suis. Ok, pas mal de packs. Okay, on part par la droite. Bravo, affirme, il passe sur la route. Attends, je vais passer sur la droite. Ok, tu cibles les RPG et les BMP en premier. BMP est à l'arrêt, tu es sorti, bonhomme. BMP au bout de la route, là. Ouais, oui. Ok, Alpha A1 ouvre la route pour l'instant sur l'autoroute. C'est bien pris, Alpha. Là, Guigui, je compte sur toi pour regarder sur les côtés, hein, pendant que le tireur est concentré sur la route. Bien là, d'accord. Bien la radio, ouais, parce que je t'entends pas. Ok, je te parle à la radio, effectivement. Donc, je te dis, c'est juste, surveille bien les côtés à droite et à gauche, parce que Com est concentré sur ses tirs sur le BMP, d'accord, devant lui. Bien pris, ouais. En sachant que les bots ne tirent pas, hein. Tant mieux. C'est du tir au pigeon. Ouais, tu sais qu'ils veulent faire quoi avec leur... Le canon est toujours actif, ouais. C'est bon. J'entends presque pas le bruit de mon moteur. De quoi? C'est quasiment plus de 30 mm. Oh, sérieux? Je crois. 3 ? Ouais, je ferme. Bah non, bah on peut pas y aller là, c'est pas possible. Si tu veux, t'en as que 20 dans un truc, hein, donc. Bah t'as un deuxième chargeur, non ? Je ferme, ouais. Mais. De toute façon, je vais utiliser les 4 pour avoir le deuxième. Commandement pour Charlie. Transmettez. Est-ce que votre opérateur drone est revenu? Négatif. Bon, là on va monter. Ouais, donc ça vous êtes plus deux alors, c'est ça? Affirmatif. Ok, c'est pris. J'y pense, c'est pas un drone dans le. Si, sans savoir, mais je crois que. C'est le drone est à déco. Bon, surveillez bien ce qu'il pourrait y avoir dans les forêts à droite et à gauche, s'il vous plaît. Guy, regarde à droite de la route, de la gauche. Je vais remonter le son parce que c'est stressant de ne pas avoir de son de bruit de véhicule. Je vais avancer pour l'instant, c'est clair. Ok, je rajoute un peu de son, mais putain, mais il veut plus avancer, quoi. La porte est trop belle. Mais ouais. Quand tu fais un blindé, tu peux mettre un bon coup de ravitaillement ou un bunker en face. Attention. Ah, il y a le bâtiment en face. Ça tire sur mon côté droit, c'est normal. Guy, tu vois quelque chose? J'ai rien en vue. Ça tire bien là. J'entends aussi. Je vois rien avec les armes.